propriétaire du restaurant Le Renato depuis 3 ans et demi, au centre-ville de Lac-Mégantic, avec une terrasse, avec une vue imprenable sur le lac. Suite à la tragédie, j'ai acquis un autre restaurant, le Château, afin d'offrir à mon personnel un emploi. Je travaille actuellement à la relocalisation du restaurant Le Renato dans les condos commerciaux. Alors, Alexandre, pour bien situer les gens, oui. Ton restaurant était adjacent à l'auberge, donc oui. Tu étais locataire de ton espace et de tes équipements. Certains équipements, oui. Exactement. Pour relocaliser ton nouveau restaurant, tu ne peux pas déménager les équipements qui sont fixes et inclus dans ton prix qui était dans ton ancien restaurant. De là est né le Renato Signature. Signature parce que je veux amener le Renato plus loin que ce qu'il était. Tout n'est pas encore fixé dans ma tête, mais bon, je pense à des assiettes signées, des verres signés, puis même, pourquoi pas, un plat du Renato signé dans d'autres restaurants au Québec. Je pense qu'on a une livraison. Un petit peu à quelqu'un qui me parle dans mon écouteur, on a une livraison. Ah, ça vient de ton restaurant, le Château. Pizza spéciale. Oui, une spéciale. Moi, j'ai rien commandé. Alors, pour démontrer un peu le concept, Anne, je vais t'offrir le premier prototype de Renato Signature.